Bonsoir mes chers amis. Aujourd'hui, on va faire un cours de sécurité comme vous voyez directement ici à partir de votre système d'exploitation Windows. Alors, de ce fait, pour le faire, c'est très 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 simple. Vous venez ici là, vous tapez la commande CMD. Ça, c'est la première des choses à faire. Vous faire un clic droit et vous validez sur exécuter en tant qu'administrateur. Bien. Alors, dans ce cours, on va faire quoi exactement? Dans ce cours, on va faire la traçabilité. Comment tracer un site? Comment tracer quelque chose? Bon, tracer, tracer, vous les entendez tout le temps. Alors, de ce fait, on va se concentrer sur ça. Ça, c'est l'objectif numéro un. Alors, avant toute chose, il faut savoir deux choses. On va fermer l'autre qu'on avait directement ici. On va utiliser celui-là. Nous sommes en tant qu'admin. Si on fait un ping sur google.com, nous pouvons constater ceci, que le ping marche à la merveille. Alors, si nous voulons tracer exactement google.com, c'est-à-dire l'itinéraire, si le message sort chez moi, forcément, il va passer dans ma propre modem. Après le modem, il va aller à Orange, qui ça se trouve par exemple à Parcelles. Après ça, il va aller directement à Orange, qui ça se trouve par exemple à Jido. Mais il pouvait aussi tourner à Orange, qui ça se trouve par exemple à Gedjewaï, etc. Jusqu'à ce qu'il y aille directement à Orange principal pour quitter directement le Sénégal. Alors, comment le faire? On tape directement traceur www.google.com. Voilà. Là, il va faire notre travail. La première des choses à savoir, la traçabilité. Ici, là où il va tracer, vous voyez l'adresse IP de Google. Il est là. Alors, cette adresse qu'il a mis ici, il commence directement à aller. Et la première des choses, c'est d'aller directement au modem. Le modem que vous voyez ici, le 192.168.1.1. Alors, il continue son chemin pour aller encore plus. Et comme vous le voyez ou comme vous l'entendez très bien, ce processus est un processus de paquet. Il envoie un paquet, il suit le paquet pour afficher toutes ces informations-là de clair et net. Alors, on va patienter pour voir tout cela en clair. Voilà, si vous regardez très bien, vous voyez ici, le message est passé directement ici, il a quitté chez moi. Il va aller aux différents lieux de Sonatel et après le Sonatel principal selon laquelle le Sonatel, le serveur meurt de leur Sonatel qui ça se trouve à rcmedina2bus.sonatel.sn et c'est ici là où cette adresse là qui va quitter directement la zone. Là, il continue à parcourir des différents serveurs à travers le monde jusqu'à ce qu'il arrive directement aux États-Unis pour nous afficher directement le serveur de google.sn. Voilà. Et enfin, la traçabilité est terminée. Et si vous regardez très bien ici, vous voyez directement le serveur qui est directement là-bas. Et si vous regardez ici par rapport à celle qui est là, vous voyez directement ce qu'on a, le 142.250.200.68. C'est la même chose qui ça se trouve là. Ça. C'est la même chose. Là, c'est le serveur. Nous, on a terminé directement à cela. Alors, comment nous pouvons faire savoir directement le adresse IP de leur parfait? Vous savez très bien, on a fait un cours, par exemple, sur Cendrillon. Alors ici là, on peut installer différentes parfaits dans votre entreprise selon laquelle a sa propre adresse IP. Par exemple, nous allons faire la traçabilité aussi. Nous allons tracer par exemple un autre site
comme info par exemple .com. Voilà. Si nous regardons sur comorinfo.com, nous voyons directement qu'ils en ont cette adresse IP qui ça se trouve ici. Le 217.160.0.2.126. C'est leur adresse IP. Mais en quittant directement chez moi, je dois passer directement dans ma propre... Dans ma propre quoi? Dans ma propre... routeur ou bien un modem pour faire simple. Alors il va continuer et après on va expliquer tout cela en clair. Voilà, nous continuons notre chemin comme je l'avais déjà expliqué en premier lieu. Vous voyez directement la manière dont ça se passe. Et je vais essayer directement à vous expliquer en clair la suite de ceci. Comme vous le comprenez très bien, si on envoie un paquet a une durée de vie. Cette durée de vie, il peut être par exemple une seconde ou bien deux secondes, ça dépend de la manière dont on a fait les choses. Alors, pour savoir les pare-feux d'un site, il faut envoyer d'abord l'itinéraire. Après avoir lancé cela, cette commande, vous pouvez constater des choses incohérentes qui se passent à l'intérieur. Ici, si vous regardez très bien, au moment qu'on a quitté directement à Sonatel, et là, vous voyez automatiquement là, vous voyez ici directement cette adresse qui est là. Et on a tombé directement à un délai d'attente demandé dépassé. Ça, c'est leur fameuse adresse qui joue un rôle directement d'un premier pare-feu. Alors, et au moment qu'on a quitté là-bas, nous venons directement ici. Si vous constatez ici, il y en a délai d'attente de demandé dépassé. Et si vous regardez ici, vous voyez cette adresse qui est là. Et ça... ce qui montre directement les différentes pare-feux qui ça se trouve dans le serveur selon lequel Comore Info est bergé. C'est-à-dire qu'ils en ont énormément de pare-feux chez eux d'une manière exceptionnelle. Alors, pour faire court, pour que vous puissiez directement accéder au site ou à une entreprise, il faut savoir directement d'abord l'adresse IP du pare-feux. Pour que vous puissiez contourner cette adresse IP et accéder automatiquement au site ou aux différentes ressources de l'entreprise. C'est là où on va arrêter ce tuto et de vous dire que ce tuto, c'est juste une démonstration selon laquelle la côté sécurité, nous pouvons aussi aller. Mais nous incitons aucune personne de aller commise de délit quelque part. C'est que une formation selon laquelle je le fais d'une manière éducative et pour le bien-être de mes abonnés sur ma chaîne YouTube. Alors abonnez-vous pour ne pas rater aucun tuto, mais aussi laissez des commentaires pour m'encourager, pour savoir vraiment votre désir. Il faut laisser votre commentaire et cela nous permet directement de se focaliser dans la manière selon laquelle nous devrons directement travailler main dans la main pour réussir votre éducation. Mes chers amis, c'est ici la chaîne de votre formation le plus préféré que la planète n'a jamais connue. Abonnez-vous mes amis et on se dit à très bientôt.